Chérie? Chérie? Tu viens t'installer? J'ai des transats là! Tu lis quoi? Le livre du maître de Math Plus! Wow! Non, 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 on n'en parle pas, je ne voudrais pas te spoiler la fin! T'as pris un sac rempli de livres et tu choisis le livre du maître de Math Plus, ça me. Bah oui, ce sera quand même mieux, il me semble. C'est quoi? Le manège de Petit Pierre. Ah ouais, tu t'éclates! Ah bah si c'est sur la liste de référence du ministère, alors tu aurais tort de passer à côté, hein. Surtout des buts. C'est parfait des buts, hein, pour lire la liste de référence du ministère, ou Math Plus même. C'est excellent timing. Non, non, mais je m'énerve pas, moi. Ça va, c'est ton temps libre, hein, tu l'utilises comme tu veux, ma chérie. Chacun a sa manière d'apprendre les vacances. C'est vrai que de mon point de vue, vacances signifie coupure, et les bouquins ne te coupent pas particulièrement de ton quotidien au boulot, mais c'est pas très grave. Hein. C'est ton choix, je le respecte. Mais non, mais le prends pas comme ça, ça me dérange pas que tu lises. Bah si tu veux, oui, c'est bien ça. Prends des photos, ça change au moins. Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu vois, mais pourquoi tu les prends si près de l'arbre, tes photos? Tu prends les feuilles en gros plan. D'accord, oui, c'est rigolo comme souvenir. Atypique mais rigolo. Ah oui! Ah bah je me disais aussi, c'était bizarre, bah oui, c'est pour ta classe. Ah, évidemment, bah oui, c'est imparable. Effectivement, les feuilles d'arbre d'été, tu ne peux les prendre qu'en été. Tu peux aussi les trouver sur internet, hein, cela dit. C'est pas pareil. Ouais, tu as raison, sur internet, c'est pas les mêmes feuilles. Tu les as pas vues toi-même, en fait. Le lien affectif n'y est pas, en fait. Non, mais je me moque pas. Enfin, si, un peu, mais... C'est que les vacances, c'est un moment qu'on passe en famille. Oui, en famille. Toi, moi, les enfants. Non, quand je dis les enfants, je parle des nôtres. Je parle pas des 25 mouflés qui te traînent dans les pattes à l'école. 27, oh pardon, 27, oui. Tu en auras 27 à la rentrée, j'ai oublié. Pourtant, tu me l'as dit. Tu veux pas te recentrer un petit peu là sur maintenant, sur le moment présent, sur nous? Tu vois, quelques minutes, relâche la pression, profite! Je suis là, moi, profite! Ah bah, ok. À toi, t'es resté sur le mode gros plan là. Juste pourquoi tu photographies mes ongles de pied? C'est une blague? Mais je m'en fous que t'aies pas résisté, tu prends pas mes ongles de pied en photo pour les montrer à tes élèves, ça se fait pas! Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la séquence de science sur les différentes matières? C'est pas de la matière, c'est mon ongle de pied! Oh, enfin, ne joue pas sur les mots, hein, tu m'as compris. Allez, pose cet appareil. Non, et puis tu poses ce livre aussi. Et arrête de regarder cet arbre. Hein? Ah non, j'ai aucune idée du type d'architecture de cette église, là, ça... Ah non. Ah non, 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 je t'arrête tout de suite là. Non, tu ne regardes pas là-bas alors. Hop, 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 c'est bon. Je te vois venir là. Alors, oui, ces morceaux de bois flotté sont absolument magnifiques, mais il est hors de question qu'ils parcourent 500 km dans la voiture pour que tu fasses du land art à l'école. Oh. Mais quoi, je t'empêche de faire des trucs? Je t'empêche de travailler, c'est tout. J'y peux rien si tu travailles comme tu fasses. Mais dors, tiens, voilà. Eh ben, t'écoutes un petit peu la musique là, ça va t'aider à t'endormir. Voilà, c'est quand même pas si dur, hein, de se détendre à un moment donné, quoi. Merde! Oui, 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 tu as raison, oui. Cette musique est parfaite pour accompagner les moyennes sections à la sieste.